Ouais, je pense qu'en fait, Marthe, c'est d'abord la simplicité. Parce qu'on a beaucoup, dans certains milieux, ces Marthe, les noms mystiques, plus ou moins vérifiés. Je pense qu'en réalité, Marthe, elle s'est laissée dépouiller. Elle est rentrée dans ce en quoi nous devons tous rentrer, dans le mystère de la croix. Et pas la croix au sens doloris du terme, mais au sens de l'abandon total à Dieu. Et du coup, il y a une fécondité parce qu'il y a une disponibilité à Dieu. Moi, mon lien avec Marc est très, très providentiel, très particulier. Il se fait que le jour où ma nomination épiscopale était rendue officielle, c'était pas prévu comme ça, j'étais à Châteauneuf. Et que à partir du moment où ça a été officiel, la première chose que j'ai fait, parce que j'ai pu l'annoncer, c'est d'aller prier longuement dans la chambre de Marthe. Et pour moi, j'ai toujours pensé que c'est la providence de Dieu, hein. En tout cas, je lui ai confié mon épiscopat parce que les événements me mettaient là, pile, à ce moment-là. Et je pense, et c'était au jour une fête mariale, les journalistes m'ont dit, mais c'était un hasard, vous étiez à Châteauneuf, j'en sais rien. Mais moi, je considère que c'est providentiel. Je me dis, tiens, qu'est-ce que le Seigneur veut me dire? De la même manière, on dit, mais c'est une fête de la Vierge Marie, vous croyez que c'est... En tout cas, je ne peux pas me dire, oui, qu'est-ce que... De la même manière, j'ai été ordonné le jour de la fête patronale de mon diocèse, Saint-Julien, et c'était aussi le jour de la conversion de Saint-Paul. Je crois que le Seigneur veut me dire quelque chose. Peut-être que j'ai une vie pour le comprendre. Je considère que mon lien avec Marthe, à ce moment-là de mon existence, il y a quelque chose à entendre. Il me semble que c'est la question de la croix. La fécondité de la croix et jusqu'à quel point je suis disposé à me laisser crucifier moi-même. Et ça, c'est un autre sujet.